can surf in your brown eyes. Can take a plane on this new high. The bluer the sky, baby, the deeper we dive, baby, baby. Taking off, I wanna see more. Take me up, I wanna free fall. Fool around, misbehave for a little while. Feel a rush, feel away, go a little wild. We can get away for the night. Ride the interstate up the vine. We could Monterey just to wine. We could Santa Cruz just to vibe. Or just post up by the swimming pool. Take the PCH to Malibu. But however West Coast, I wanna do it with you. Honey, be sweet, summer gold tan, the green cherry. Okay, parce que ça fait un moment qu'on est dessus. On a découvert, surtout Marie-Jeanne, hein, moi je n'ai fait qu'écouter. Mais on a mis un petit bout de temps à la goûter à cause du Covid. Et puis, de temps en temps, il y a des alignements des planètes. C'est comme ça qu'on dit. Et on s'aperçoit que ce vernissage et cette conférence a tout son sens aujourd'hui dans l'actualité qu'on vit. Donc je voudrais remercier Marie-Jeanne Marceau, qui est la commissaire de l'exposition. Puisque c'est elle qui a découvert ce petit pan d'histoire que vous allez voir, hein. Et puis c'est elle qui nous a mis en relation avec le musée de Meaux, qui a permis de monter le partenaire. C'est vraiment qui a bossé hier pour finir la mise en place des tableaux, entre autres. Donc c'est vraiment la cellule ouvrière de cette exposition. Merci pour de l'ensemble des Cupressiens et de moi-même surtout. Voilà. Alors effectivement, on va aborder un sujet dans lequel on va rejoindre une sorte de mouvement en fait, qui se dessine depuis quelques années, celui de retracer l'histoire des musées de province, des dépôts de province pendant la Seconde Guerre mondiale. On n'est pas isolé dans ce cas-là, on est très nombreux d'ailleurs. Et il y a un certain nombre de musées, un certain nombre d'institutions qui commencent à travailler sur le sujet. Donc on fait partie maintenant, on commence à s'inscrire dans une grande famille, menée d'ailleurs par le château de Chambord. Donc on est mené par une institution prestigieuse. Alors les dépôts de province des musées nationaux, c'est le biais par lequel on va aborder l'exposition qu'on vous présente pendant une quinzaine de jours, pendant 15 jours. En 1939, on évacue une première fois les collections du musée Bossuet. On les évacue dans un premier temps en Normandie, au château de Carouge. C'est un château qui a été acheté par les bâtiments de France en 1936, donc très récemment. Et vous voyez qu'il est très très grand. Et qui bénéficie en plus, alors il est un petit peu massif, et puis il a un châtelet d'entrée, et surtout il est isolé, donc ça nous semble être la bonne solution. Donc on va accueillir, le château de Carouge accueille les collections du musée Bossuet jusqu'en avril-mai 43, parce que fin 1942, la ville de Meaux, le conseil municipal de Meaux, décide d'envoyer un artiste peintre local qui s'appelle Paul Barian. Alors, dans l'exposition, on a choisi cette œuvre de Barian qui s'appelle Le Vieux Pêcheur. Et Paul Barian, il va au dépôt de Carouge, donc en 1942, pour vérifier le bon état des collections. Et quand il rentre, il rédige un rapport à destination du conseil municipal de Meaux, rapport dans lequel il dit... les œuvres sont bien conservées, les salles sont froides mais pas humides, donc ça se passe pas trop mal. Mais à la fin du rapport, c'est incompréhensible, il dit « mais on va quand même demander le rapatriement des œuvres à Meaux ». Et donc le conseil municipal décide d'adhérer, d'avaliser la demande de Barian et demande aux musées nationaux de reprendre la totalité du musée Bossuet. Les musées nationaux refusent de rendre la collection au musée, à la ville de Meaux,
À mon avis, parce que Jacques Jaujard ne voulait pas que les collections reviennent dans leur lieu d'origine, ce qui est normal, parce qu'il fallait, vous avez bien compris, le principe c'était d'embrouiller au maximum, brouiller un maximum les pistes. Et par contre, il va proposer au conseil municipal une solution intermédiaire, et il dit, ben, je vous propose un château qui est moyennement isolé, qui est relativement grand, et donc c'est Couvray. Alors Couvray, avant. Voilà, c'est juste pour ceux, pour les plus jeunes d'entre nous. Mesdames et messieurs, chers amis, ce soir, nous avons le privilège d'inaugurer à Couvray l'exposition qui me touche et qui nous touche, nous, tous les Cupressiens, en plein cœur. Lorsque Marie-Jeanne Marceau, commissaire de cette exposition, m'a fait part de cette découverte aux Archives nationales, j'ai immédiatement compris que nous travaillerons ensemble pour faire sortir de l'anonymat ce fragment de l'histoire cupressienne et méldoise qui mériterait de rejoindre la grande histoire. Vous l'avez compris, au cours de la conférence inaugurale, dès le début de la Seconde Guerre mondiale, pour échapper au pillage et à la destruction, le directeur des musées nationaux, M. Jacques Jaujard, organise l'évacuation et la mise en sûreté des œuvres d'art menacées par l'occupant nazi dans plusieurs dépôts de province. Entre avril 1943 et novembre 1945, la quasi-totalité des collections du musée Bossuet, soit plus de 450 œuvres, trouve refuge au château de Couvray, à une dizaine de kilomètres de Meaux, dans des caisses sur lesquelles était inscrit le code CY. Vous avez tous compris, CY, c'est pour la première lettre et la dernière lettre de Couvray. C'est pour Olivier qui m'a posé la question tout à l'heure. J'étais pas sûr de vous. D'accord. Cette exposition, ainsi dénommée CY, le musée Bossuet se cache au château de Couvray, retrace cette histoire autour d'une quarantaine de tableaux et de sculptures prêtés par le musée Bossuet. Elle se tient symboliquement dans la ferme du château. J'en profite dès à présent pour remercier la commune de Meaux et notamment son maire, Jean-François Copé, son adjoint à la culture, Jérôme Tisserand, et le directeur du musée Bossuet, Denis Vasille, qui nous ont fait confiance et ont accepté de nous prêter ces œuvres remarquables. Remarquable, cette exposition l'est à plus d'un titre. J'espère que j'ai tourné la bonne page. D'une part, elle dévoile une histoire encore méconnue de notre commune, découverte par une cupressienne, dont l'oncle était lui-même gardien de musée, et qui est aujourd'hui guide d'exposition au musée de la Grande Guerre à Meaux. Les voies de l'histoire sont parfois impénétrables. D'autre part, cette exposition montre à quel point Couvray est une commune exceptionnelle, qui s'est inscrite dans l'histoire de France et même dans la préhistoire, en trouvant un chemin dans toutes les grandes époques de notre civilisation. La préhistoire, avec les vestiges paléolithiques et néolithiques qui ont été retrouvés, l'Antiquité, avec la trace d'un aqueduc romain, on cherche encore la villa, mais on va la trouver, je pense. L'Antiquité, le Moyen-Âge, avec des vestiges des Mérovingiens et peut-être même des Carolingiens. Les temps modernes, que nous sommes nombreux à connaître grâce au château de Couvray, construit en 1603 par Hercule de Rohan, duc de Montbazon et ami d'Henri IV. Ça représente bien la culture cupressienne, Henri IV. L'époque contemporaine, enfin, alors que Couvray abrite la maison natale d'un génie français, Louis Braille, qui inventa au XIXe siècle un système d'écriture et de lecture au point saillant qui révolutionna le monde des déficients visuels. Vous le voyez, Couvray a plus d'une histoire à raconter. Grâce à cette exposition, nous savons désormais que le fil de l'histoire a continué de se dérouler à Couvray au XXe siècle. Lorsque notre village est entré en résistance contre l'occupant nazi, Couvray s'est alors érigé en protectrice de la culture, des arts et, ce faisant, de la liberté. Quelle belle leçon quand au XXIe siècle encore, cette même culture et cette même liberté continuent d'être menacées. Ces menaces prennent des formes nouvelles et anciennes. La crise sanitaire d'abord, qui a relayé la culture au rang des prétendus non essentiels. La crise ukrainienne aussi, qui a révélé à quel point la culture et le manque d'ouverture sur le monde pourraient constituer un ciment de la barbarie.
Alors que le spectre de l'histoire la plus sombre de notre continent se rappelle à nous, alors qu'un pays envahit son voisin sous des prétextes du passé, alors que la construction européenne est de nouveau mise au défi de la guerre après trois quarts de siècle de paix, cette exposition nous rappelle que si l'histoire avec un grand H est écrite par les puissants, elle est faite et vécue par les peuples. À travers les siècles, les Cupressiens y ont joué tout leur rôle. Nous sommes aujourd'hui les héritiers de ce grand mouvement d'inscription dans l'histoire. Mais il n'y a d'histoire pour une commune que lorsque se dessine un avenir. C'est la raison pour laquelle ces deux mots sont gravés au cœur de notre devise. La raison pour laquelle, également, nous œuvrons chaque jour avec les élus du conseil municipal pour construire à Couvray un avenir qui méritera lui aussi d'être raconté. L'avenir est une histoire qu'il nous reste à écrire. Merci. Merci, monsieur le maire. Je reprends la parole un tout petit peu. Je dédie cette exposition puisque j'ai le droit à deux hommes. Jacques Jaujard, bien évidemment, vous avez compris le peu que j'ai pu dire en 50 minutes, c'est pas beaucoup. Mais enfin, vous avez bien compris le rôle essentiel qu'il avait eu dans la protection des œuvres d'art en France, pas seulement, il l'avait fait aussi avant en Espagne, d'ailleurs, pendant la guerre d'Espagne. Et je dédie aussi cette exposition, bien sûr, à Pierre Marceau, donc c'était le frère aîné de mon père. Et pour vous donner la genèse, pour ceux qui l'ont compris, Pierre, j'en vois ici. J'ai toujours entendu dire, il est mort en 76, moi j'avais 8 ans, mais j'ai toujours entendu dire dans la famille, Pierre, quand il était jeune, il a gardé les bourgeois de Calais. Et ça m'a poursuivi tout le temps, mais j'ai jamais trop cherché à comprendre, vous savez, les histoires dans la famille, on ne sait pas trop d'où ça vient, voilà. Et il y a 2 ans, j'y allais aux archives nationales pour autre chose, et je me suis dit, je vais essayer de creuser un peu le sujet. Et c'est là que j'ai découvert des milliers de pages et cette consultation résulte de cette exposition. Voilà. Donc, voilà, je dédie donc cette exposition et à Jacques Jaujard et à Antoine. Dire à quel point on a été surpris, moi en premier lieu, quand Marie-Jeanne, il y a quelques années, ça fait au moins 3 ans, est venu me voir en disant « Bon, ben, on a découvert, que j'ai découvert que les tableaux du musée Bossuet avaient trouvé refuge à Couvray pendant la guerre. » C'était quelque chose qu'on ignorait complètement. À cela, il y a plusieurs raisons tout à fait banales et ordinaires. C'est qu'à ce moment-là, en 1939, lorsque la guerre éclate, le conservateur en titre du musée Bossuet, qui était Fernand Lebert, décède inopinément. Et il n'est pas remplacé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de faire le remplacement avec les événements qui se succèdent et qui s'accélèrent. Et donc, lorsque est organisé le déménagement des œuvres du musée Bossuet, tout se fait finalement au niveau du ministère des Beaux-Arts, sans qu'il y ait vraiment un suivi de la part d'un responsable attitré au niveau du musée municipal à Meaux. Et donc, pendant 2 ans, les choses se sont passées à l'insu de la collectivité. La mairie de Meaux s'est réveillée en 1942 pour essayer de retrouver les traces de ses œuvres, qui étaient au château de Carouge. Ils vont demander à la suite d'une visite qui a été effectuée là-bas pour que ça soit transféré à Meaux. C'est refusé par le ministère des Beaux-Arts. C'est un petit peu ça qui permet justement ce transit par Couvray. C'est refusé parce que tout simplement on s'aperçoit maintenant qu'on a pu redénicher et retrouver les archives qui ont été déterrées grâce à Marie-Jeanne et cette exposition justement. On est allé fouiller dans les greniers des musées jusqu'à trouver enfin les quelques liasses d'archives qui concernent cette époque. Donc tout simplement, ils ont refusé que les œuvres reviennent à Meaux, parce que le palais épiscopal servait pendant toute la période de la guerre d'un lieu de passage de fortune pour les soldats allemands. Donc
quand il y avait des troupes qui étaient de passage, ben, ils bivouaquaient dans les salles du musée Bossuet. Donc il y avait fallu mettre la paille et ils couchaient dessus. Donc c'est normal que les Beaux-Arts aient refusé que ces œuvres reviennent à nous jusqu'en 1945-1946. Et après, pourquoi par la suite ça a été ignoré aussi, c'est que tout simplement, comme il n'y avait pas de conservateur, le temps qu'un conservateur soit nommé en 1946, ben, de l'eau avait coulé sous les ponts et puis personne ne s'est préoccupé de ça. Si bien que pour les historiens d'aujourd'hui et pour les responsables du musée, donc et moi-même et nos élus, ça a été une découverte passionnante. Et c'est la raison pour laquelle aussi on a tout de suite décidé de participer amplement à ce projet qui nous a paru tout à fait extraordinaire et symbolique. Pour terminer, c'est la première fois dans l'histoire du musée qu'une telle quantité d'œuvres se déplace et se délocalise. Ça sera la dernière. Reste là. Monsieur le maire a déjà une idée. On l'a récupéré. On l'a récupéré. On l'a récupéré. Ça, on l'a récupéré. Ça, on l'a récupéré. On l'a récupéré. Il est en bossé quand même. J'ai simplement dit tout à l'heure qu'on va réussir à faire nous ce que les Allemands n'ont pas réussi à faire encore en 5. Et pour nous, c'était un challenge, hein, parce que, figurez-vous, sur les quarantaines d'œuvres que vous avez ici, plus de la moitié se trouve dans l'exposition permanente du musée à Meaux, et donc il fallait trouver le moyen de les remplacer par autre chose. Et comme on a pris Et comme, voilà, vous avez choisi quand même des pièces les plus intéressantes, ça a été un petit peu difficile, mais on s'en est sorti. Mais pour l'anecdote, et je termine par là, hein, le lendemain du départ des œuvres vers Couperet, on a eu un visiteur qui est venu de Paris, exprès pour voir le Floris. Et il était déçu parce que le Floris. Pour finir sur une petite plaisanterie, je voudrais qu'on change le nom des bourgeois de Calais, qu'on les appelle les bourgeois de Couvray. Merci. On peut se partager un verre.